Oui, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre aventure sur Mu Legend. Donc la dernière fois, bah, on avait fait les camps de gobelins, il me semble, donc on les avait détruits et tout, et puis, si vous vous en rappelez, c'est bien, parce que moi, j'ai un peu de mal à m'en rappeler. Donc bah, sur ce, on va se retrouver tout de suite sur le jeu. Pink start. Et voilà. Voilà, ici. Donc maintenant, réciter les poèmes de guerre. D'accord, il faut aller voir lui. Donc c'est à Adepte Gobelin. Ouah, quel poème profond. Gobelin énervé, gobelin tue, humain et nain, gobelin ont faim, gobelin mange humain et nain. C'est parfait, ou c'est gobelin? Ce n'est pas un poète, c'est un adepte des gobelins. Il se coiffe même comme eux. J'ai bien peur que ce ne soit pas le seul adepte de ces démons. Hop, le marchand. Je m'en fiche que vous soyez chevalier, marchand ou je ne sais quoi. Nous reverrons. C'est vous le marchand que j'ai rencontré au poste occidental. Vous vouliez que je dépouille des belpies pour vous? Vous ici, mais je croyais que les démons s'étaient délectés de votre chair depuis le temps. Que faites-vous là? Je vais partout où la guerre éclate. Pourquoi? Parce que ce qui dit guerre dit argent. Cette fois, je cherche à acheter l'équipement de la Légion des Cornes. Leur style particulier est très prisé auprès des collectionneurs d'objets militaires. Pourriez-vous m'en obtenir? Je vous paierai aussi généreusement que la dernière fois. D'accord. Mais on peut pas. Bienvenue, merci d'avoir tué cet assassin gobelin qui a été envoyé pour tenter d'ôter ma vie. Disons que vous avez trop de valeur pour mourir. Bref, j'ai remarqué ces créatures à cornes en chemin. Il y a un ranch dans les environs ou quoi? Oh, vous voulez probablement parler de la Légion des Cornes? Ils sont arrivés là avec une énergie malfaisante. L'énergie malfaisante a été créée à plusieurs endroits du bassin blanc. Difficile de les louper. J'ai entendu dire que vous n'avez pas réussi à réparer les tunnels de la forêt ambrée. Tant que l'énergie malfaisante vivra, les démons du Pandémonium continueront d'en sortir. Bref, ces guerriers à cornes manigancent quelque chose. Ils attendent autour de la mine, mais n'ont pas bougé d'un pouce. Quelque chose se trame, je le sais, je le sens. Laissez-moi m'en occuper, je vais voir sur leur commandant pour tenter d'en savoir plus. Oh, if it weren't for you, I'd be pushing up daisies by now. Thank you. We're surrounding the mine. Why haven't they attacked yet? Pas un marchand qui je peux vendre des trucs. What can I do for you? En fait, c'est des minotaures. Thank you.
faut que j'y tue un peu trop vite. Except those strange-looking statues. Du coup, dirigeant le corps pour film plus marchand. C'est ça que je voulais faire. Oui, mais en fait, c'est terminé. J'ai vérifié les commandants ennemis, mais je n'ai rien trouvé de suspect. Récompense au choix. Au fait, j'ai remarqué une chose étrange sur leur camp. Il y a des statues représentant un homme ailé vêtu d'une cape noire, ça et là. Les statues du Démus, ce sont les pires gardiennes du pandémonium. Personne ne peut échapper au piège démoniaque qu'elles forment. Alors ils essaient donc de nous isoler au lieu de nous éliminer. Mais pourquoi? Je pensais qu'ils voulaient les mines de Nuke, surtout Karmatan, la plus grosse de toutes. Mais nous avions tort. Partez d'ici avant que leur piège ne soit terminé. Allez voir Royce, les membres des forces spéciales de la police. Il se cache à l'aise pour observer les faits et gestes de l'ennemi. Il est le meilleur membre des forces spéciales que nous avons. Il trouvera une solution, c'est certain. Et vous? Vous resterez coincé ici lorsque le piège sera terminé? Ne vous en faites pas pour moi. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Allez. D'accord, j'essaierai de détruire le plus de pires gardiens possible en chemin. Vous pouvez vous occuper du reste seul. You saw the demon burnt stones? They're ward stones! Those pandemonium bastards are trying to cut this place off! Avez-vous réfléchi à ma position? Go! Je veux parler de mon offre d'embauche. Royce might know why they want to isolate Carmiton. Alors, ici, j'ai un point. Oh, j'ai rien mis, non. On va augmenter ça. On va augmenter l'attaque. J'aimerais bien arriver à ça. Ici, c'est lequel? Parade de l'âme que j'ai obtenue. Inventaire. Et mini potion.
C'est le clic qui est équipé, c'est celui-là, donc c'est tout, donc ça on le laisse. Non. Ça c'est bon. H3, il n'y a rien. Là, ici, il y a ça. Ça c'est tout. Ça c'est verrouillé. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ah oui, ma monture. Voilà. Donc si je fais ça, j'ai mon loup. Du coup, faut aller voir lui. Tout le monde est dans la mine. Vite, où est le colonel? Que se passe-t-il? Les larvas nous envahissent par le biais des tunnels de la mine. Je ne vous pensais en sécurité comme vous avez détruit tous les explosifs de la forêt ombrée. Ils ont essayé de faire des trous dans la mine pour accéder au tunnel. Toutes mes excuses, j'ai dû passer à côté de quelques explosifs. Laissez-moi vous aider à défendre les tunnels. Larbus have entered the tunnel at last. This is my fault. I didn't get rid of all the explosives in the Amberial forest. Il faut aller ici. Sur 7. This should have bought Dupin enough time to escape. Allez, vous gagnez où? Au rift, d'accord. Encore vous, vous avez manqué. Quel plaisir de vous revoir, camarade. Cela ne vous dérange pas que je vous appelle comme ça, n'est-ce pas?
Ça se passe à la mine de Karmatan. La Légion des Camps tente d'empêcher l'accès à la mine de Karmatan avec leur pierre gardienne. Ils empêchent Duprion de participer à cette guerre. D'abord la tentative d'assassinat et maintenant ça. L'ennemi craint Duprion. C'est un grand commandant et un très grand héros nain. Qu'ont-ils derrière la tête? Ce que je sais, c'est que Féorosius, le colonel de la Légion des Cornes, a envoyé des gros chariots au sud. Mais je ne sais pas ce qu'ils contenaient. Je vais aller voir. Gardez-les pour moi. Voulez-vous? Good to see you again. The Pandemonium Army is sending many big wagons. Que devrais-je faire? Ça fait longtemps qu'ils auraient dû sortir. Excusez-moi de vous mercenaires. Disons que je suis chevalier sous contrat pour l'instant. Que puis-je pour vous? Mon frère est là-dedans et cet endroit est appelé Rift. Alors, je sais, j'y ai déjà pénétré plus d'une fois. Vraiment, pourrais-je vous demander une faveur? Les règles de la société de recherche nous empêchent de demander ce genre de faveur. Mais vu que ce n'est pas votre première fois. Mon frère est à l'intérieur et n'est toujours pas sorti. Nous étions venus chercher quelqu'un. Il y a beaucoup de monstres, donc je crains qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Il existe une telle règle dans la société de recherche. J'avais l'impression que les autres n'en avaient rien à faire. Bref, comment êtes-vous sorti? Le rift des portes d'énergie créées dans l'espace-temps est... quand l'espace-temps est entremêlé. On l'appelle l'énergie du rift. Si vous êtes exposé pendant trop longtemps, votre corps et votre esprit changent. Mon frère a constaté mon état et m'a dit de sortir en premier. Il n'y a pas de temps à perdre, chevalier. Mon frère est peut-être affecté par l'énergie du rift. Pitié, retrouvez-le. My brother hasn't come back out of the rift. Something must have happened. Please go help him. Alors. Hein, vous êtes chevalier, comment avez-vous réussi à arriver ici? Grande, votre sœur, m'a demandé de venir vous chercher. Je ne savais pas qui vous étiez, le frère de Grande. J'ai l'impression que je n'ai pas fini de vous croiser. Que faites-vous là? Elle a dit que vous cherchez quelqu'un. Oui, je cherche Mucler. Mucler, il n'est pas venu vous voir? Je lui ai pourtant dit que vous étiez à sa recherche. Quoi? Il n'est pas venu. C'est pourquoi je suis venu le chercher. Chevalier, pourriez-vous, s'il vous plaît, vérifier si Mucler est ici? Mon corps ne tiendra pas très longtemps, je vais devoir partir. J'ai la nausée. Décidément, tout le monde me demande des faveurs. Très bien, je vais vérifier, alors sortez. Je crois que j'ai pas le niveau en fait. Ah.
On va aller chercher cela en même temps. Apparemment c'est tout. Il n'y a plus qu'à aller plus loin. Donc c'est le seul passage. He's not here either. Muckler, you'd better wish I can't find you. Ah, mais ça me fait chier ça.
Mais non! Ouais, pénalité de mort. On va prendre le dernier. Ah, pour une fois, je suis bien tombé. Voilà. Alors ici, ça me dit ça. Ah oui, celui-là. Donc j'ai... ça c'est lequel? C'est le sort que je lance avec le clic droit, d'accord. Ah oui, ici. Effectivement. Ça, c'est quoi? Meurtre glacial, obtenant rapidement, fusant. D'accord. Donc, dégâts critiques. Toute pénétration. Voilà. Là, il n'y en a pas d'autres. C'est que j'aimerais enlever celui-là. Ah ouais, ça c'est les compétences d'armes. Les compétences de classe. Celui-là, ça sert à rien que j'enlève en fait pour le moment. Encore? Ah bah oui, celui-là il passe au troisième. D'accord. Je l'avais pas vu. Donc un ami, pénétration, attaque. Du haut du debuff plus 20%. On met ça. Elle est pas mal quand même comme attaque. Bon, là il y en a plus. Normalement c'est bon. Voilà, on va quand même aller voir dans l'inventaire ce qu'on a eu. This item cannot be equipped. Donc celui-là apparemment il serait mieux. Ah, c'est parce que j'en ai plus.
Voilà. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Ça, ça faisait quoi? C'est pour vous rendre à la ville la plus proche ou à Ordor, d'accord. Donc ça, c'est bon. On n'a plus qu'à parler à elle. Voilà, j'ai commencé à penser que vous ne sortiriez pas. Mon frère m'a dit que vous l'aviez sauvé. Je l'ai envoyé se reposer. Il a passé trop de temps dans le rift. Il avait l'air fatigué. Je ne sais pas comment vous remercier. Je n'ai pas grand-chose, mais veuillez accepter ceci. Voilà. Donc bah du coup, bah, on va s'arrêter là. On a fait la Légion à cornes pour le moment. Donc, je vous dis donc à la prochaine, dans la bonne humeur. Et surtout, n'oubliez pas, restez positif.